aïe aïe. Non, ça marche pas, maman. Allez, loulou, allez, allez, allez. Comme je les embête pratiquement jamais de l'année, c'est un petit peu plus dur parce qu'elles sont sur 145 hectares, quoi. Donc elles sont un peu sauvageonnes. Ah, c'est madame qui conduit. Madame, toujours. Ah, c'est bien. Toujours. Moi, je fais GPS. GPS, je guide. Quel pays, ouais, et madame, qui voilà. Bonsoir. Ça va. Ouais. Bonsoir, monsieur. Donc voilà, voilà. Eh ben, bienvenue. Alors, les filles, ah, je vous appelle un peu pour rien. Hein. Mais bon, c'est bien. Manou, hein, mon Apollon, Jar Jar. Hein, ah, ouais. Hein, jamais vu avec des oreilles. Ah, moi j'adore ce côté grandes oreilles, moi ça me fait délirer. Je dois être fétichiste des oreilles. J'aime bien les oreilles. Puis il y a des couleurs, c'est ça que j'aime bien. Ouais. Là c'est l'anglo-nu bien pur, c'est le papa de tous les bébés que vous voyez là. Je trouve qu'on rencontre des vraies personnes. Comment on dit, des belles personnes. Des belles. Voilà. Qui ont beaucoup de valeurs, de choses à nous apporter, qui aiment bien leur métier. Enfin, franchement. Franchement, c'est positif comme. Nous, je sais pas qui est-ce qui a inventé ça, mais. Ben non, alors. Donc, franchement, c'est bien. Bonjour. Je me suis installé là. Ouais, bienvenue. Bonjour. Merci. Merci de votre accueil. Souvent, Alix et Anatole, c'est avec son frère, ils sont dans la cour. Et quelqu'un passe, vous êtes des campingaristes et blablabla. Alors vous voyez, nous on est vraiment à la limite, Lozère, Ardèche, Haute-Loire. Mm-hmm. En face c'est l'Ardèche. Regarde comme ils sont beaux. Alors là le mâle il a 8 ans, là c'est le gros, après le jeune il a 6 ans. Ah oui. Donc je vais les appeler, vous allez rester là, okay. Je vais les appeler. Elles vont monter. D'accord. Et puis après on en discutera un petit peu. Dites, France Passion, c'est pas une qu'une aire pour camping-car, c'est aussi le contact avec le propriétaire, hein, non? Oui. Eh ben alors, faut le dire ça aussi. Oui. Alors, bienvenue dans la Manche. Bienvenue chez nous, à la ferme de la Mutte.